Le salon de Barcelone s'est achevé hier soir. Que faut-il retenir de cette édition 2015 du Mobile World Congress ? À part la présence incroyable du géant coréen Samsung, est-ce que cette édition 2015 a été un grand cru ? Verdict tout de suite de la rédaction de Zeronet.com avec Christopher Siminelli. Mais on se rend compte aussi que ce salon a été quand même vampirisé par la présence de Samsung. Oui, c'est ça. Ils sont arrivés avant le salon, ils ont dit OK, les gars, on va déballer nos deux Galaxy S6, on s'en va, et puis tout le monde est resté un peu comme ça, derrière, en attendant une annonce encore plus forte, et finalement, il n'y en a pas eu. Alors que le programme de dimanche, quand même, était hyper chargé en conférence. Il y avait quand même HTC, Samsung, LG, le lendemain matin, c'était Sony, Microsoft. Donc on s'est dit, on va s'en prendre plein la vue tout le dimanche et le lundi matin. Et franchement, ça n'a pas été le cas. Mais stratégiquement, ça s'explique. On n'a pas envie de rester dans l'ombre de Samsung. C'est-à-dire que Samsung a tout vampirisé. Oui, clairement, en fait. Avec CS6 dont on parle depuis des semaines et des semaines, clairement, les constructeurs se sont dit « Attendez, je ne vais pas lancer un smartphone haut de gamme, mon nouveau flagship, mon nouveau fleuron, je ne vais pas le lancer en même temps que celui de Samsung. » C'est le syndrome Apple, finalement. Apple ne vient un pas peu. Pour pas être en concurrence avec les autres. Et puis, du coup, même les Chinois font pareil, etc. Et le plus clair, c'est Huawei, quand même, qui fait sa conférence de presse avant l'ouverture de Mobile World Congress, comme Samsung, le dimanche, et qui présente de très beaux produits, mais aucun smartphone. Okay. Oui, c'est incroyable. Il n'y avait pas de smartphone. Pour un salon sur le téléphone portable, c'est un peu embêtant quand même, les amis. C'était un Mobile World Congress sans smartphone. Alors que Huawei était le plus gros aussi sponsor exposant de ce Mobile World Congress, donc on s'est dit, mais ils vont tout exploser. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, on se rend compte que les constructeurs veulent se désengager de l'annonce, des annonces du Mobile World Congress pour créer leur propre événement avant ou après. Clairement. Autant là, on a eu une petite déception sur les smartphones des grandes marques sur ce Mobile World Congress, mais je pense que ces prochains mois-là, avant l'été... Oui, ça va être la déferlante. Une fois par mois, on va avoir une énorme annonce. Oui, ça sera le cas d'LG qui va sans doute annoncer son G4. Sony qui, on le rappelle, n'a pas présenté son Xperia Z4. Et qui devrait le faire dans les prochains mois. Alors après, la question c'est de savoir, c'est est-ce qu'il va le faire rapidement ou est-ce qu'il attendra l'IFA ? Mais bon, de toute façon, oui, parce qu'il semblerait, et c'est d'ailleurs le directeur général de Sony France, Mobile France, qui nous l'avait annoncé, Sony, bon, qui on le sait, en difficulté financière, a décidé de sortir moins de smartphones et de ralentir la cadence de sortie des téléphones. Donc, revenir sous simplement une cadence raisonnable. Oui, raisonnable, parce que sortir un smartphone tous les 6 mois, un flagship, c'était... peut-être un petit peu ambitieux, il n'y avait pas suffisamment de différences techno. En termes de recherche et développement, de marketing, etc., c'est incroyable. Paradoxalement, ce n'est pas forcément bon en termes d'image de marque. Hein. Développement durable, tout ça, obsolescence programmée. Ouais. Je lâche les gros mots. Je trouve qu'en termes de... C'est difficile de réinventer quelque chose tous les 6 mois aussi, c'est surtout ça. C'est difficile d'apporter quelque chose de significatif en plus par rapport à un modèle précédent. Qui va être plus grand de 2 mm.